coucou mes loulous et mes louloutes. Ma vidéo vous a plu, bah vous savez, hein. Comme ça. Et si ça vous plaît pas, comme ça. Bah je m'en fous de toute façon parce que ça me fait des vues. On est un petit peu sérieuse? Ok, alors je réponds. Qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Bah chez certaines youtubeuses, ce qui me dérange, c'est d'abord elles ont tout le temps des Yankee Candle. Mais pourquoi les Yankee Candle? Effectivement, elles ont des partenariats, mais sincèrement, moi, les Yankee Candle, c'est bien, j'aime bien, mais il y a d'autres bougies, il n'y a pas que ça. Miss Gazelle m'a offert poire chocolat, elle sent très très bon et elle n'est pas chère. Il n'y a pas besoin de mettre des prix énormes pour faire m'as-tu vu? Il n'y a pas besoin. Non, Yankee Candle, c'est des bougies comme toutes les autres. Franchement, je suis désolée. Donc moi, ce qui me dérange, c'est surtout ça. Et aussi le fait, effectivement, que derrière, elles ont toujours les mêmes meubles. C'est les meubles Alex de chez Ikea. Elles ont toujours les mêmes meubles, elles ont toujours la même façon de présenter, elles ont toujours un décor. Perso, moi, je m'en fous. J'ai mes coussins que j'adore et je m'en fous. Voilà, voilà. Ça ne veut pas dire que je les aime pas, hein, les youtubeuses que j'ai un petit peu, me suis un petit peu moquée gentiment. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu déplaisant et en plus elles sont inaccessibles, on peut pas. C'est impossible de les voir, impossible de leur parler. Il y a quelques-unes qui... Il y en a une que je like, que j'écris des fois, des petits commentaires, et elle me met toujours quelque chose, c'est sa nana. Deuxième question. Qu'est-ce que tu penses des youtubeuses qui ne se montrent pas? Bah... Perso, elles font ce qu'elles veulent, hein. Ça ne me dérange pas du tout, hein. Elles peuvent se montrer, pas se montrer. Bon, c'est vrai qu'en général, moi, je préfère voir la personne parce que c'est bien de visu. On voit plus la personne, on sait à qui on a affaire. Ça ne peut pas être un détraqué ou qui que ce soit. On voit la personne, quoi. Donc, on voit un peu le sérieux de la personne. Donc, perso, moi, je m'en fous. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés? Ben, franchement... Je pense que sincèrement, peut-être elles ont quelque chose, elles se sentent pas bien dans leur peau, alors que c'est bien dommage parce que franchement, YouTube, ça donne confiance en soi. On est bien. Effectivement, on parle devant une caméra, c'est pas facile, mais on parle devant une caméra, on n'a pas des milliers de personnes, donc on ne peut pas être trop émotive, on peut pas être timide, on peut pas, on peut se lâcher. Moi, je vous conseille, les filles, lâchez-vous, tout simplement. Alors, que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés? Ben, voilà, je pense que sincèrement, elles sont... c'est dommage, mais si c'est pour la concurrence, c'est un peu bête. Franchement, ben, font ce qu'elles veulent. Pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir du matos de folie? Alors, moi, je dis que non, mais oui aussi, pardon. Parce que le minimum, d'ailleurs, je ne l'ai pas pris, je suis désolée, c'est un micro-cravate. Le minimum, ça coûte 17 euros. Il n'y a pas besoin des super lumières. Déjà, soyons naturels, soyons nous-mêmes. On n'a pas besoin... Nous, on fait YouTube pour être bien avec nos amis, pour donner du bonheur, de la joie, pour partager nos choses. On ne fait pas YouTube pour... Oui. Ah, bien sûr. Oh, quel rouge à lèvres, mais j'adore. Ah, oh, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mais le pire, c'est vrai, c'est que je l'adore. Alors, 5. Est-ce qu'une youtubeuse doit être apprêtée? Alors, tout dépend ce qu'on entend par apprêtée. Moi, je dis un minimum maquillée, présentable. Voilà, c'est tout, présentable. Mais bon, vous voyez, je suis pas plus maquillée, là. J'ai juste un petit crayon noir et c'est tout. Hein. Et rouge à lèvres, je suis pas maquillée, je suis bronzée. Hein, mais voilà, j'ai pas... non. Non, franchement, non. Bon, c'est bien pour des grosses grosses youtubeuses qui ont beaucoup d'abonnés. Même non, je pense qu'elles peuvent... Quand elles font des vlogs, elles n'ont pas besoin d'être... elles peuvent être nature. Hein. Enjoy Phoenix, elle est nature quelquefois. Sanana, je l'ai rarement vue nature, mais Enjoy Phoenix, elle est souvent très, très nature. Donc non, parce qu'elle a des boutons, elle les montre. Donc non, je pense que sincèrement, apprêtée... moi, c'est ma nature. Donc voilà, c'est ma nature d'être coquette. Bon là, j'ai un petit peu exagéré, j'ai mis des colliers pour le tag. Mais sinon, non, je... Question 6. Penses-tu que les youtubeuses, il y a deux mondes? Oh oui, bien sûr. Il y a nous qui sommes là et elles qui sont là. Et là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas.
c'est soit comme ça ou comme ça, malheureusement. C'est soit un abonné, 100 abonnés, 500, 1000, 3000, mais 3000, 4000, même 5000. Mais après, tu as les grosses youtubeuses. Oui, bien sûr, il y a deux mondes. On n'est pas du même. Question 7. Qu'interdirais-tu sur YouTube? Eh bien, sur YouTube, j'interdirais... Déjà, les gamines, c'est vrai que c'est n'importe quoi, des gamines de 4-5 ans qui... Franchement, moi, ça me plaît pas du tout. Mais c'est pas ça que j'interdirais. C'est toutes les personnes qui n'ont pas de chaîne, attention, qui n'ont pas de chaîne et qui critiquent constamment alors qu'ils n'ont aucune chaîne et qui créent à chaque fois une autre chaîne pour recritiquer. Je trouve ça lamentable. Si YouTube pouvait faire quelque chose pour ça, de façon à ce que les gens puissent s'amuser, se divertir sans avoir de critiques, personnellement, j'en ai pas encore eu. Parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai que 264 abonnés, ou je sais pas, bon bref, 264, 265. Moi je fais pas la course aux abonnés, hein, franchement, pas du tout. Mais voilà, les critiques, il peut y en avoir et je trouve ça désolant, et voilà, que YouTube fasse quelque chose. Ainsi que tous ceux qui font des fausses rumeurs, des fausses blagues, genre j'ai tué mon père, j'ai fait ci, non mais c'est n'importe quoi, ça s'appelle des pranks, et je trouve ça nul de chez nul. Question 8. Trouves-tu les très grandes youtubeuses crédibles? Bah nous aussi on est crédibles. Hein. Franchement, on présente les mêmes choses, on est crédibles. Hein. Je veux dire, moi, si je présente un rouge à lèvres, bah, je vais être crédible. Elles vont être crédibles, sauf qu'effectivement, elles ont tellement de partenariats que c'est compliqué. Effectivement, comment elles peuvent proposer un produit genre papier toilette Lotus? Et l'autre, le papier toilette, je sais pas quoi. Non, c'est pas possible. C'est, tu te torches avec un papier, tu te torches pas avec deux, quoi. Ou alors c'est pareil, quoi. À moins que leurs fesses, elles parlent. Pardon, je suis désolée. Bon, je veux dire, le partenariat, franchement, non, elles peuvent pas être crédibles. Mais moi, j'adore des tas de youtubeuses. Rose Pout, j'aime beaucoup. Elle présente plein de produits. Mais des fois, je suis persuadée qu'il y a des produits, effectivement, qu'elle peut, ben... Elle est obligée, la marque lui dit, voilà, faut dire ci, faut dire ça. Je pense, hein, je suis pas certaine, mais bon. Question 9. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Ben, franchement, quand on a 1000, 2000, 3000 abonnés, c'est pas facile hein, à répondre. Hein. Moi, je sais que je suis très contente avec mes 264 abonnés, ou je sais pas combien. Je réponds à tout le monde. J'essaierai tout le temps de répondre, même si je peux pas, ben, je mettrai un petit cœur ou un petit truc. Comme je vous ai dit, je sais que Sananas, j'écris un petit truc, elle a des milliers de commentaires, et elle me met toujours un petit cœur, je trouve ça super sympa. Et Florian Henner aussi, que j'aime beaucoup, qui teste des restaurants, des trucs comme ça, qui est super sympa d'ailleurs. Et eh bien, il me répond tout le temps, il me met toujours un petit cœur, il veut pas. C'est vrai qu'il ne peut pas le faire à tout le monde, mais je pense que ses abonnés réguliers, ils le font, et je pense que c'est assez sympa. Donc je trouve que ben, ce serait bien qu'il le fasse. Maintenant, je comprends quand il y en a 10 000, 100 000, c'est pas... Question 10. Que penses-tu des abonnés qui te demandent de s'abonner à leur chaîne? Franchement, ça me déplaît. Honnêtement, ça me déplaît. C'est arrivé, effectivement, qu'on me demande beaucoup. Alors je dis, ok, je vais aller voir ta chaîne. si elle me plaît, ben, je m'abonne. La plupart du temps, je m'abonne d'ailleurs, parce que j'aime bien... mais quelquefois effectivement je m'abonne mais après ben, je me dis ben ouais mais la personne elle s'est pas abonnée, je regarde et puis je vois que moi ben, je vais pas aller voir forcément sa chaîne donc ben. Mais sinon je regarde si la chaîne me plaît, je vais m'abonner. Alors qui je vais taguer? Ben, je vais taguer deux personnes, pas des femmes, des hommes. Ah si, je vais taguer Nicole et Gaël. Vous allez vous y coller, hein. Et Alain et Cédric, les tutos de Cédric. Allez le voir, il est trop rigolo, je l'adore. Mes amis, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Si ma vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Si elle vous plaît pas, la 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 la. Prends garde à toi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Bye bye, ciao.